dia a todos. A gente se sente imensamente feliz, imensamente honrada com a presença de Matias Vicar mais uma vez no Brasil e mais uma vez nesta casa. A primeira vez que nos vimos receber foi em 1998, quando estava lançando O Monge e o Filósofo, pela editora Mandarini. E, obviamente, desde lá até aqui, todos os anos, a gente vinha convidando. Todos os anos, olha que são perseverantes. Finalmente conseguimos. Conseguimos, não é certo, ainda ter a honra de publicar seu livro Felicidade, A Prática do Bem-Estar, em 2007. E ainda, não é certo, esta extraordinária oportunidade, o privilégio da alma, de podermos ter em português A Revolução do Altruísmo. A gente agradece imensamente sua presença entre nós. A gente sabe, no certo, do empenho e do esforço em poder, no certo, chegar até aqui, sabendo as condições do Nepal, que se encontra neste momento, justamente que é onde Matias Vicar reside, apesar de estar quase 6 meses viajando pelo planeta inteiro. E, bom, demais está dizer que a gente também agradece todo o empenho de todos os voluntários da Palas Athena, de todos os profissionais da Palas Athena e daqueles que estiveram envolvidos diretamente na realização do certo livro, que sem dúvida vai ser, na minha avaliação, o GPS para o século XXI. Se queremos acompanhar as mudanças, as transformações de visão do mundo e de interpretação da realidade, sem dúvida, não é certo, a revolução do altruísmo vai ter que ser nosso guia e vai ter que ser nossa inspiração. Agradeço também aos parceiros de todo este esforço, de todo este empenho, a doutora Elisa Cosaza, não é certo, que está organizando toda a atividade lá, no hospital, não é certo, Albert Einstein, a Andrea Chaman, que por sua vez, não é certo, está organizando o evento que vamos a ter amanhã no Blue Tree, e desde já, não é certo, Caco de Paula também, pelo apoio incomensurável frente ao Planeta Sustentável da Editora Abril. Para todos, uma belíssima jornada. Para Matias Vicar, minha gratidão mais sincera, minha gratidão mais profunda. Muito obrigada a todos. Merci à Léa, merci à vous tous qui êtes venus aujourd'hui. Obrigado, Andrea. Obrigado a todos que vieram hoje. C'est grâce à votre enthousiasme, effectivement, que et aussi avec les efforts soutenus de l'aide d'Andrea, les efforts des traducteurs, des traductrices, et de tous ceux qui ont corrigé aussi le livre. Donc c'est un beau travail d'équipe. Merci à tous. Et grâce au travail d'Andrea et de toute l'équipe ici de Palas et dos qui traduziram et corrigiram le livre. Muito obrigada a todos. Quand je voyage à l'étranger, instinctivement, j'ai l'habitude de parler anglais, donc mais que je sois de langue française, c'est curieux pour moi de parler français dans un pays étranger. Quand je voyage au étranger, en général, je parle anglais. Donc, pour moi, c'est étrange et curieux de parler français. Et donc, nous allons passer la journée ensemble à explorer la question de l'altruisme. Nós vamos passar esse dia juntos explorando a questão do altruísmo. Alors le titre est intéressant, je l'ai découvert hier. O título da palestra é interessante, eu descobri ontem. En gros, c'est une question intéressante. Qu'est-ce qu'on nous cache sur l'altruisme? É uma questão interessante. O que é que nos escondem sobre o altruísmo? Alors, je comprends bien que c'est une autre manière de dire pourquoi est-ce que certains sont encore persuadés que nous sommes fondamentalement égoïstes. E eu entendo que isso é uma questão importante, por que que alguns querem acreditar que somos fundamentalmente egoístas? Por que razão est-ce qu'on ne
il n'est pas clair et évident encore, tout d'abord, que l'altruisme est beaucoup plus présent qu'on ne l'imagine. Por que razão não é claro para todos que o altruísmo, por muitas razões, é muito mais presente do que a gente imagina? Et je sais que tout de suite on va dire, mais non, regardez autour de vous, la violence, l'individualisme, le narcissisme, etc., etc. E eu sei que vão dizer imediatamente, não, mas olha em volta de você o narcisismo, o egoísmo. Alors peut-être effectivement qu'on nous cache quelque chose. E talvez que estejam de fato nos escondendo alguma coisa. Mais est-ce que parce que c'est qu'on nous cache quelque chose ou est-ce que c'est parce qu'il y a des choses qui sont si proches de nous qu'on ne les voit pas? Será que eles estão de fato nos escondendo alguma coisa ou será que as coisas são tão próximas de nós que nós não estejamos vendo-as? Peut-être de la même façon qu'on ne voit pas nos propres sourcils. Talvez pela mesma razão que nós não vemos a nossa sobrancelha. On ne voit pas la banalité du bien. Nós não vemos a banalidade do bem. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes réunis ici, peut-être 100 ou 200 personnes. Por exemplo, hoje estamos aqui reunidos, talvez 100 ou 200 pessoas. E se à la fin de la journée. Anastasia, o que foi? O meu? Ah, o dele? C'est moi? Oui, il faut éloigner un peu de votre bouche. D'accord. Comment faire, mais... O meu? Tirar da. Ficar mais longe? Ah, tá. Ça va comme ça? Oui, je crois. Bon. Alors, si à la fin de la journée, então, no final do dia, quand tout le monde va sortir, todo mundo vai sentir, est-ce que la première chose que vous allez dire, será que a primeira coisa que vocês vão dizer, c'est formidable, personne s'est tapé sur la figure, vai ser, ai que maravilha, ninguém se estapeou aqui. Et donc, ça sera une information caché. E essa será uma informação escondida. Que nous avons passé une bonne journée ensemble, prêts à coopérer, à interagir de manière aimable, décente. Que nós passamos um bom dia juntos, prontos para interagir de uma maneira amável e decente. On n'a rien caché, simplement, on n'a pas éprouvé le besoin de dire, c'est formidable, personne s'est battu dans la journée. E nós não escondemos nada, a gente simplesmente sentiu essa necessidade de dizer ninguém se estapeou durante a jornada. Mais si deux personnes se tapent sur la figure, mas se duas pessoas começarem a brigar aqui, vous êtes sûr qu'on va en parler pendant 15 jours? Il y avait un séminaire sur l'altruisme et ils se sont quand même bagarrés. Todo mundo com certeza vai dizer, ah, nós tivemos um seminário sobre o altruísmo e as duas pessoas brigaram lá durante o seminário. De la même façon, si 100 personnes coopèrent dans une journée, da mesma maneira que se 100 pessoas cooperam durante um dia, pour aider des personnes âgées, pour une organisation, une ONG pour entraîner des chiens qui s'occupent des aveugles ou des personnes handicapées. Que ajudam em ONGs com relação a pessoas idosas ou a cachorros que têm uma situação difícil. Vous serez pas au journal télévisé à 8 heures ce soir. Nós não vamos aparecer no jornal das 8 horas essa noite. Mais si une de ces 100 personnes, c'est dommage, é parce uma que pena ça serait isso. Intéressant d'inspirer les gens sur ce qui se passe dans la vie. É uma pena, porque seria interessante inspirar as pessoas sobre o que acontece na vida. Mas se uma pessoa, parmi ces 200, vai atacar uma banca ou bien atacar uma vieille dame na rua, você é sûr que será o jornal televisivo? Mas se uma pessoa entre todas essas atacar um banco ou uma pessoa idosa na rua, com certeza vai aparecer nos jornais. Então, ce n'est pas que les gens veulent montrer que ça, ce n'est pas une volonté délibérée de cacher la banalité du bien. Não, isso não significa que as pessoas não queiram mostrar isso e que estejam determinadas a esconder a banalidade do bem. Mas é peut-être que nous considérons ça comme plus normal. Talvez é porque a gente considere isso como mais normal. C'est plutôt bon signe. Isso de fato seria um bom sinal. Ça veut dire qu'on considère que l'état normal, c'est un état de se comporter de manière décente, comme une bonne personne, et que c'est les exceptions qui attirent notre attention. Isso significa que o estado normal é se comportar de uma maneira decente, como uma pessoa boa, e as exceções é que chamam nossa atenção.
Imaginez par exemple que vous conduisez dans la campagne et que vous crevez un pneu. Vamos imaginar que você está conduzindo um carro no campo e que fura um pneu. Et vous voyez là, il y a une voiture garée, un paysan qui est là et qui visiblement a tout le matériel qu'il faut et il se trouve que vous n'avez pas le cric. OK. E você vê que tem ali uma pessoa estacionada com o carro que tem todos os materiais necessários e você não tem o macaco. Et donc vous allez voir cette personne, pourriez-vous me prêter votre cric? E aí você chega para a pessoa e pede, você pode me emprestar o seu macaco? Et si elle dit non, pas question? E se ele diz não, de jeito nenhum? Vous allez être choqué. Você vai ficar chocado. Mais si vraiment il était clair à tous que la nature humaine est profondément égoïste et que chacun ne fait que pour soi? Mas se de fato todos acreditassem que a natureza do ser humano é egoísta, vous ne seriez même pas surpris et peut-être vous n'iriez même pas demander. Vous direz, bon, tout le monde est égoïste, c'est même pas la peine que je lui demande. Você nem ficaria surpreso e nem pediria ajuda, porque já saberia que não receberia. Mais ce n'est pas le postulat de base. Le postulat de base, c'est que normalement, un être humain décent va vous aider un minimum pour essayer de vous aider à repartir. Então, o postulado de base é que, de fato, a gente acredita que a pessoa vai te dar pelo menos uma ajuda mínima a resolver a sua situação. De la même façon, je viens du Népal, vous avez entendu parler des catastrophes qui ont eu lieu. Vocês sabem que eu estou vindo do Nepal e devem ter ouvido falar das catástrofes que aconteceram lá. Il y a un préjugé que dans les catastrophes, d'une part c'est la panique, ensuite c'est tout le monde va faire du pillage, tout le monde va chacun pour soi. Et on a vu ça, par exemple, à l'occasion, ça a été bien étudié, de l'ouragan Katrina à New Orleans. Então, as pessoas acreditam que quando tem uma catástrofe, vai haver a pilhagem e uma série de situações desagradáveis. Vocês viram isso com relação ao Katrina? Pendant quelques jours, à la suite de cet ouragan et des inondations, les communications étaient coupées. Durante alguns dias, por causa desse furacão, as comunicações foram cortadas e uma série de situações difíceis. Et les rumeurs, c'était qu'il y avait à l'intérieur des pillages, des meurtres, des viols, à tel point toute la presse en parlait. E os rumores e que a imprensa toda divulgou é que havia lá pilhagens, mortes, uma série de coisas negativas. À tel point que la gouverneure, au lieu d'envoyer des secours, a décidé d'envoyer l'armée. A tal ponto que o governo, ao invés de enviar ajuda, enviou o exército. Et elle a même dit, déclaré, ces gens ont été entraînés pour viennent d'Irak, s'il faut, pour tuer, s'il le faut. E ela disse que essas pessoas foram treinadas para matar no Iraque e eles estão prontos a matar aqui se for necessário. Et à cause de cela, les secours ont été retardés. E por causa disso, o socorro foi atrasado. Alors qu'en vérité, ce qui s'est passé, c'est une entraide, un calme, une discipline, une entraide immédiate. E ao contrário, o que aconteceu foi uma ajuda mútua, uma calma e uma disciplina imediatas. Il y avait des groupes comme les Robins des Bois de New Orleans. Havia grupos como Robin Hood, qui se sont organisés non pas pour piller, mais pour aller chercher les gens qui étaient sur les toits, pour les amener dans les lieux sûrs, pour tout le monde, il y a une entraide presque généralisée. E esses grupos se organizaram para uma ajuda generalizada. À tel point qu'après, les grands journaux, le New York Times, le San Francisco Times, ont fait des articles pour s'excuser d'avoir à tort répandu la nouvelle que c'était terrible, du pillage, des mœurs, il y avait, tout était sans loi, sans foi ni loi. E a tal ponto que os jornais de várias grandes cidades pediram desculpa pela notícia que eles deram, não levando em consideração as coisas boas que estavam acontecendo. Et les spécialistes qui ont étudié la plupart des catastrophes naturelles ou de ce qui s'est passé après des attentats, comme à Londres dans le métro, ou bien à New York pour le 11 septembre. E os especialistas que estudaram situações de crise como 11 de setembro em Nova York e uma situação no metrô. Alors évidemment, au moment où ça se passe, les gens courent. Pourquoi ils ne courraient pas? Il y a forcément un mouvement de peur d'échapper à ce qui se passe, que ce soit un cataclysme ou un attentat. Que é evidente que durante um cataclisma ou uma situação de perigo, todo mundo vai sair correndo. Et c'est ce qu'on voit généralement, les images tragiques. Mais ce qu'on parle moins et ce qu'on voit moins, c'est que tout de suite après, il y a le calme, la discipline, l'entraide, et ça c'est
toujours, dans tous les cas, des catastrophes. E isso é o que nós vemos em geral, mas logo em seguida vem a calma, a disciplina e é o que acontece em todas as catástrofes. C'est exactement ce qui s'est passé au Népal, bien sûr, quand tout bouge et qu'à l'intérieur ça bouge à peu près d'un mètre à droite, un mètre à gauche pendant une demi-minute. Les gens, ils ont peur, ils sortent, ils font ce qu'ils peuvent, mais foi exatamente o que aconteceu no Nepal. Quando existe uma catástrofe onde está tudo movendo um metro para lá e um metro para cá, as pessoas vão sair correndo, mas em seguida... Mas o que se passou, como toujours, tout de suite après, les gens ont commencé à aider, à déblayer les décombres, les voisins, les personnes des familles, à emporter les gens blessés à l'hôpital, l'hôpital sorti dans la rue, tous les infirmiers, infirmières et médecins sont sortis dans la rue avec calme, s'occuper des gens et se conforter les uns les autres. Et en seguida, as pessoas se organizam para se confortar umas às outras, para ajudar, para tirar os escombros e fazer o bem. À notre monastère, il y avait 5000 personnes parce qu'il y avait un enseignement qui se durait pendant 10 jours. Em nosso mosteiro havia 100 mil pessoas porque havia um curso que estava sendo feito. Donc les moines qui avaient reçu déjà un entraînement pour se préparer au tremblement de terre. E os monges que já haviam sido treinados para os tremores de terra. On fait sortir calmement tout le monde. Il y avait une grande tente à l'extérieur déjà pour accueillir les gens qui venaient. Fez com que todas as pessoas eles fizeram com que todas as pessoas saíssem. Havia já uma tenda preparada no exterior para acolhê-las. Donc tout s'est fait dans l'ordre et pendant 10 jours, on a eu 4000 personnes sur le terrain du monastère dont les moines se sont occupés. E durante alguns dias nós tivemos 4 mil pessoas nessa tenda e os monges cuidando. E a clínica de Sechen, que existe depuis 15 anos, que há 50 pessoas que trabalham dans cette clinique. E a clínica de Sechen, que já existe há 15 anos e com várias pessoas que trabalham lá. C'est tout de suite mis en œuvre pour aider aux alentours et puis dans les villages avoisinants. Se colocou em trabalho para ajudar ali a vizinhança e as cidades vizinhas. E maintenant aujourd'hui, je viens d'avoir un message, nous avons déjà aidé 17000 personnes dans ces villages pour différents besoins. E acabei de receber uma mensagem agora de manhã que eles já ajudaram 17000 pessoas ali na região, nas vilarejos vizinhos. Então voilà, en gros, je vais vous montrer cet après-midi que c'est pas qu'on nous cache quelque chose aujourd'hui. Je vais vous montrer aujourd'hui, ce n'est pas qu'on nous cache quelque chose, mais peut-être que souvent ceux qui disent que l'homme est fondamentalement égoïste, leurs affirmations ne reposent sur aucune évidence scientifique. Então eu vou mostrar para vocês hoje que, de fato, não é que nos escondam alguma coisa, mas essa ideia de que o ser humano é fundamentalmente egoísta não tem uma base científica. C'est souvent des philosophes qui ont déclaré comme ça que l'homme était égoïste. Com frequência foram os filósofos que declararam dessa maneira que o ser humano é egoísta. Ou certains économistes qui ont déclaré comme Francis Edgeworth, qui est un des fondateurs à la fin du 19e de l'économie moderne, il n'y a pas de place pour l'altruisme dans le système économique. Ou alguns economistas como Francis Edgeworth que diz que não il n'y a pas de place pour l'altruisme dans les systèmes économiques. Que não há lugar para o altruísmo no sistema econômico. Vous verrez dans ma présentation des citations d'autres penseurs qui disent l'homme est un loup pour l'homme, etc., etc. Vocês verão na minha apresentação a citação de outros pensadores que dizem, por exemplo, que o homem é um lobo para o outro homem, etc. Mais ce sont des points de vue, certes, mais ce point de vue-là, il ne repose sur aucune évidence sociologique, psychologique, scientifique ou autre. Então, pontos de vista simplesmente que não se baseiam em nenhuma pesquisa científica, econômica ou sociológica. Quand on dit, par exemple, que les enfants sont des petites brutes égoïstes, c'est complètement faux. Quando falam que as crianças são egoístas, isso é completamente falso. Les études faites, par exemple, depuis 20 ans par plusieurs groupes de chercheurs. Estudos feitos há mais de 20 anos por vários grupos de pesquisadores. Par exemple, Michael Tomasello, en Allemagne. Por exemplo, Michael Tomasello, na Alemanha. Et Paul Bloom, à Yale. E Paul Bloom, à Yale, l'université de Yale. À Yale, na Universidade de Yale. Ont montré, d'une part, que les enfants sont les jeunes enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Mostrou, por um lado, que as crianças até os 5 anos de idade
sont des coopérateurs inconditionnels. São cooperadores incondicionais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez les enfants dans un local comme ça, dans une pièce. E o que que isso significa? Você coloca as crianças em uma sala como essa, por exemplo. Alors, peut-être faut amener la mère pour pas qu'ils soient affolés, mais elle reste dans un coin, elle n'intervient pas. É preciso trazer as mães para que eles não se agitem muito, mas elas ficam num canto e não intervêm. Et puis l'enfant joue, on lui donne des jouets. E nós damos brinquedos às crianças. Et puis il y a une personne qui est montée sur une chaise et qui fait des choses, par exemple, elle accroche du linge. Por exemplo, uma pessoa sobe em uma cadeira e começa a pregar algumas coisas no alto. Et elle laisse tomber quelque chose. E ela deixa cair alguma coisa. 95% des cas, l'enfant se précipite pour aider. Em 95% dos casos, a criança corre para ajudar. Même si il est en train de jouer, il s'arrête pour aider. Mesmo que ele esteja brincando, ele para para ajudar. Même si on met un obstacle, un enfant qui à peine peut marcher, pour l'empêcher, il contourne l'obstacle et il vient aider. 95% des cas. Mesmo que coloquemos obstáculo, a criança dá uma volta a esse obstáculo e vem em 95% dos casos. Et c'est pas juste pour ramasser quelque chose comme si vous faites tomber un chien se précipite parce qu'il pense il veut pour jouer. Não é como cachorro que vem pegar alguma coisa que caiu para brincar. Parce que si l'expérimentateur jette cet objet par terre, porque se o experimentador jogar esse objeto no chão, l'enfant comprend que c'est pas il a fait exprès, que c'est pas il y a pas un besoin, il a pas laissé tomber et l'enfant bouge pas. E a criança percebe que ele jogou porque queria, que não é acidente, e a criança não se mexe para ajudar. On a fait toutes sortes de dispositifs de type d'expérimentation différentes. À chaque fois c'est la même chose, les enfants aident. Nós fizemos várias experiências diferentes e é todas as vezes a criança vem ajudar. Ils ont pas besoin d'encouragement, si on leur dit il faut aider, si la mère intervient, c'est l'effet contraire. Eles não precisam de encorajamento para isso. Se a mãe intervir, o efeito é o contrário. Par exemple, on a emmené des enfants de 10 ans pour passer du temps avec des enfants malades dans un hôpital. Por exemplo, nós trouxemos crianças de 10 anos para passar algum tempo com outras crianças doentes nos hospitais. Ils sont venus volontairement, bien sûr. E eles vieram voluntariamente, logicamente. Ensuite, on a divisé les enfants en deux groupes. Em seguida, nós dividimos as crianças em dois grupos. À l'un, on a donné une récompense, un jouet ou quelque chose. Para grupo, nós demos uma recompensa, brinquedo ou alguma coisa. À l'autre, non. E para o outro grupo, não. Et puis 15 jours après, on a demandé à ces enfants, est-ce que vous voulez de nouveau aller passer du temps pour aider des enfants, pour être avec des enfants malades dans l'hôpital? E 15 dias depois, nós perguntamos às crianças dos dois grupos se elas queriam voltar para ajudar as crianças no hospital. Et ceux à qui on n'avait pas donné de récompense, étaient, il y avait un pourcentage beaucoup plus élevé qui était prêt à retourner, et moins chez ceux à qui on avait donné une récompense. E aqueles que não receberam a recompensa vieram ajudar numa porcentagem muito maior do que aqueles que receberam a recompensa. De la même façon, il y a une étude très fameuse en Angleterre sur les donneurs de sang. E há também estudo muito famoso na Inglaterra sobre os doadores de sangue. Pendant longtemps, les gens étaient entièrement volontaires et à un moment donné, il y avait pas assez de sang, on a dit on va donner, je sais pas, 20 livres à chaque fois qu'on va donner du sang. E durante algum tempo houve uma carência de sangue, então fizeram uma campanha prometendo que dariam, por exemplo, alguns livros para essas pessoas que viessem doar sangue. Et le nombre d'honneurs a diminué. E o número de doadores diminuiu. Pourquoi? Por aussi quê? Bien pour les enfants que pour les donneurs de sang, ce qui importait c'était cette motivation intrinsèque, la joie de venir aider, de donner du sang. Mais ils se disaient, bon, si c'est juste pour avoir un gâteau ou un peu d'argent, ben, il y en a d'autres qui le font pour l'argent. Moi, ça ne m'intéresse pas, je le fais parce que j'ai envie d'aider. Então, tanto para as crianças quanto para os adultos, a ideia de receber brinquedo ou algum dinheiro não interessava. Eles pensavam, bom, eu não vou fazer isso por causa desse dinheiro. Tem outras pessoas que vão precisar e vão lá. Ça montre que la motivation intrinsèque, que est naturelle de vouloir aider, est plus forte
que la motivation extrinsèque de faire quelque chose parce qu'on vous donne de l'argent ou une récompense ou un cadeau ou quelque chose. Isso mostra que a motivação intrínseca de ajudar é muito mais forte do que a motivação extrínseca de ganhar alguma coisa. De la même façon, des chercheurs ont étudié les réactions d'enfants à deux personnes ou des personnages, ça peut être des vraies personnes ou des marionnettes, qui se comportent différemment les unes avec les autres. Foi feito também um experimento com crianças, com outras pessoas ou com marionetes que se comportavam de diferentes maneiras. Par exemple, une marionnette peut aider une autre marionnette ou au contraire avoir un comportement un peu agressif. Por exemplo, uma marionete ajudava a outra ou teria um comportamento mais agressivo. Elle n'interagit pas du tout avec l'enfant, OK? N'interagissent pas avec l'enfant. Elas não interagiam com as crianças, as marionetes. Et après, quand on donne aux enfants de deux ans, on leur tend la différente marionnette, ils prennent toujours la marionnette gentille, ils ne veulent pas de la marionnette méchante. E quando as marionetes foram oferecidas às crianças de dois anos, eles sempre escolhiam as marionetes gentis e não as maldosas. On a fait aussi une petite vidéo où on voit une boule rouge qui monte une pente. Et puis, il y a de temps en temps une autre boule verte qui aide à monter la pente ou une boule bleue qui pousse et l'empêche de monter la pente. Foi feito também experimento onde uma bola vermelha deveria subir em algum lugar. E havia uma bola verde que ajudava essa bola vermelha a subir e outra azul que impedia que ela subisse. 95% des enfants de 2 ans, après quand on leur tend les boules, prennent la boule gentille qui aide. 95% das crianças escolheram a bola verde que ajudava. Et on a pu montrer que c'était vrai chez des bébés de 8 mois. E nós mostramos que isso acontecia com bebês de 8 meses. Alors les bébés de 8 mois, ils vont pas chercher les boules, mais on a montré que ils portaient leur regard vers 90% des bébés de 8 mois portaient leur regard vers la marionnette gentille et pas vers l'autre. Nós observamos que eles não iam pegar as bolas, mas o olhar deles era colocado nas marionetes gentis e não nas outras. Et on voit bien sûr que chez les enfants de 2 ans, d'abord c'est le regard, ensuite ils tendent les mains. E as crianças de 2 anos tinham o olhar dirigido para as boas marionetes, mas também tentavam pegá-las. Donc ça c'est pas des petites différences, c'est des différences 95% des jeunes enfants préfèrent les marionnettes ou les boules gentilles. Isso não é uma pequena diferença, 95% das pessoas, das crianças, preferiam as marionetes gentis ou as bolas que ajudavam. Ces mêmes chercheurs de Yale ont fait aussi une expérience avec deux enfants. Esses mesmos pesquisadores de Yale também fizeram uma experiência com duas crianças. Et puis ils sont assis l'un en face de l'autre. Um se sentou diante do outro. Et on donne des bonbons à un des enfants. E nós damos balas a uma das crianças. Et puis à un moment donné, quand on lui donne le bonbon, on fait le geste, avec une interrogation, je le donne à toi ou je le donne à l'autre. E aí, em seguida, fazemos gesto de interrogação. Eu dou essa bala para você ou dou para outra criança? Et on filme les expressions des enfants. E é filmada as expressões das crianças. Et on voit que les enfants qui disent donner à l'autre, ils sont beaucoup plus joyeux et contents que les enfants qui veulent pour eux le bonbon. E podemos observar que as crianças que dizem dá para o outro eram crianças que tinham expressões muito mais felizes do que aquelas que queriam só para si. Alors on pourrait dire oui, tout ça c'est bien gentil, c'est une vision idéalisée des choses. N'empêche que les résultats scientifiques, c'est pas simplement des petites différences, c'est des très grosses différences. Donc, a gente pode pensar que isso é resultado gentil, uma maneira gentil de ver as coisas, mas a gente observa que o resultado é muito grande a diferença. Donc tous les psychologues du passé qui ont dit les enfants sont des petits égoïstes ou Piaget qui disait il y a pas d'empathie avant l'âge de 7 ans. Freud disait c'est des petites brutes irrémédiables. Então c'est au contraire. Podemos ver que é exatamente o contrário do que diziam todos os psicólogos, inclusive o Piaget, que dizia que a empatia só viria a partir dos 7 anos. En fait, dès l'âge de 2 ans, un enfant peut reconnaître le besoin de l'autre, manifester de l'empathie.
De fato, a partir da idade de 2 anos, a criança pode reconhecer o bem no outro e manifestar a empatia. Par exemple, pour consoler un enfant, un enfant donne quelque chose, il voit que ça ne marche pas, mais il se rappelle que cet enfant aime bien un certain jouet, il va dans la pièce à côté le chercher pour lui donner, parce qu'il comprend que c'est ça qui va le consoler. E, por exemplo, para consolar uma outra criança que está chorando, essa criança dá um brinquedo, não resolve, e ela se lembra que a criança gostava de um outro brinquedo que está na outra sala, ele vai até lá buscar o brinquedo e trazer para essa criança. Donc il semble que bien sûr, il y a des comportements de violence aussi chez les jeunes enfants parce qu'ils n'ont pas de régulation émotionnelle avant l'âge de 5 ans. Donc il y a des comportements de jeter, de battre, etc. Então, a gente observa que nas crianças há comportamentos violentos porque eles não têm uma boa regulação emocional. Então eles podem jogar um brinquedo ou se estapear. Ça aussi c'est clair, mais ceci dit, en tant qu'animal prosocial, si on peut dire, c'est normal qu'on soit plus, avoir une plus grande tendance pour se comporter de façon aimable, enfin disons positive avec autrui, parce que c'est comme ça qu'on fait une communauté. E a gente observa que isso de fato acontece, mas enquanto comportamento social, a gente vê que a tendência é muito maior de se comportar de uma maneira amável ou positiva com relação aos outros. Donc ça, c'est pas né de nulle part. Il y a des millions et des millions d'années d'évolution qui ont fait que cette tendance est assez naturelle. Isso não nasceu de qualquer lugar. Há milhões e milhões de anos de evolução que fizeram com que isso acontecesse. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on ne peut pas déraper, qu'on ne peut pas tomber dans la violence extrême, devenir un psychopathe, qu'on peut devenir quelqu'un qui commet des actes de violence extrême, qui arrive jusqu'à des génocides, tout cela est possible. Isso não quer dizer que não existam psicopatas, genocídios e situações muito violentas. Mais c'est pas un instinct de violence extrême qu'on a tous en nous qu'il faut absolument réprimer, il y a des raisons, des mécanismes, des processus qui mènent d'un être humain ordinaire décent à devenir quelqu'un qui commet des actes de génocide. Mas isso não significa que todos tenhamos esses instintos violentos em nós que precisemos reprimir. São situações que acontecem devido a algum outro fator. Nous verrons dans la journée si on a le temps de revoir un peu toutes ces choses-là, mais il y a un processus qui commence par déshumaniser l'autre, par diaboliser l'autre, par se désensibiliser à la souffrance de l'autre. Il y a toutes des étapes qu'on peut bien comprendre qui mènent a justement commettre des actes de violence extrême. Há toda uma sequência de etapas que fazem com que surja essa violência, como desumanizar o outro, diabolizar o outro, se tornar insensível ao sofrimento. Donc si vous voulez il semble, alors évidemment, c'est pas la peine d'écrire la révolution de l'égoïsme ou un plaidoyer pour l'égoïsme parce qu'en gros beaucoup de gens pensent effectivement que l'égoïsme est au plus profond de nous-mêmes. Então não vale a pena escrever a revolução do egoísmo ou em defesa do egoísmo, porque muitas pessoas acreditam que isso aconteça. Mais comme depuis 2-3 siècles en Occident, sous l'influence de philosophes comme Hobbes et d'autres, on a cette idée malgré tout que au fond, si on regarde bien, on trouvera une motivation égoïste à tout acte en apparence altruiste. Então, de acordo com alguns filósofos, como Hobbes, por exemplo, nós acreditamos que há uma inclinação egoísta. On dit, il y a, par exemple, quelqu'un qui a écrit « gratter à la surface d'un altruiste et c'est l'égoïste qui va saigner », c'est-à-dire qu'au fond, au fond, il y a toujours une motivation égoïste. Que há uma motivação egoísta escondida por detrás de um falso altruísmo. Por exemplo, eles dizem que se você raspar a superfície de um altruísta, você sempre vai encontrar um egoísta por baixo. Alors, sur le plan philosophique, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai un chapitre là-dessus. La plupart des logiciens et des philosophes ont montré que de toute façon, c'était une hypothèse intenable. E isso é demonstrado aqui no livro, que a maioria dos filósofos Je veux dire que c'était une hypothèse, point de vue logique, oui. Qu'on ne pouvait pas défendre.
Tá, que é uma hipótese do ponto de vista lógico que não pode ser defendida. Pourquoi? Parce que si on offre une explication possible égoïste à tous nos comportements, porque se nós oferecermos uma explicação possível egoísta para todos os nossos comportamentos, on ne peut jamais, il y a aucune situation dans laquelle cette hypothèse peut être démentie. E não há nenhuma situação em que essa hipótese possa ser desmentida. Une hypothèse scientifique est valable s'il y a une situation dans laquelle les faits expérimentaux ou vérifiés peuvent prouver que cette expérience, que cette hypothèse est vraie ou fausse. Toda hipótese científica deve passar por uma situação onde ela seja comprovadamente verdadeira ou falsa. Par exemple, si vous donnez une pomme à un jeune enfant, por exemplo, se você dá uma maçã para uma criança pequena, vous direz non, c'est pas altruiste, c'est parce que vous voulez vous faire bien voir vis-à-vis de cet enfant, etc., etc. Vous allez donner une explication. Vão dizer, por exemplo, que não foi um comportamento altruísta, que você queria ganhar o afeto dessa criança, uma série de outras explicações. Ou alors vous ne donnez pas la pomme à l'enfant parce que vous pensez qu'il va être malade. On va dire ah oui, il veut pas donner la pomme parce qu'il veut la manger lui-même. E se você, por exemplo, não dá essa maçã para a criança pensando que pode fazer mal para ela, as pessoas vão dizer: "Ah, foi um comportamento egoísta, você não quis dar a maçã porque você queria comê-la." Donc quoi que vous fassiez, on peut donner une explication égoïste. Então, para tudo que a gente faz, a gente pode encontrar uma explicação egoísta. À ce moment-là, on peut plus rien dire. E aí a gente não pode dizer mais nada. C'est un petit peu comme, excusez-moi, je sais que vous êtes psychologue, mais certains psychologues, si vous arrivez à l'avance, vous êtes un obsédé de je sais pas, un anxieux. Então ele pediu desculpas para mim, que eu sou psicóloga, e disse que alguns psicólogos, por exemplo, quando o paciente chega mais cedo, é porque é uma pessoa que tem uma obsessão. Si vous arrivez juste à l'heure, vous êtes un perfectionniste obsédé. Se você chega na hora para consulta, é porque você é um perfeccionista obsessivo. Et si vous arrivez en retard, vous voulez éviter d'aller chez votre psychologue, donc vous êtes en réaction. Se você chegar com atraso, é porque você não está querendo ir no psicólogo, e aí você está com uma reação. Donc, de toute façon, on peut rien faire. Il y a toujours une explication. E de qualquer maneira, não se pode fazer nada. Sempre há uma explicação. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a non pas des comportements altruistes, mais des comportements bénéfiques, c'est-à-dire que vous faites le bien de quelqu'un. Então, é verdade que há comportamentos altruístas, comportamentos benéficos, onde você faz o bem para outra pessoa. Mas que podem ser interessés, c'est-à-dire egoístas. E que podem ser também interesseiros, quer dizer, egoístas. Vous pouvez donner quelque chose à quelqu'un pour gagner sa confiance et ensuite l'escroquer. Você pode dar alguma coisa para alguém para ganhar a confiança dessa pessoa e depois roubar. Vous pouvez vous comporter de façon bénéfique à quelqu'un pour recueillir des louanges parce que vous pensez qu'on vous apprécie pas assez pour vous dire quel type formidable. Você pode, por exemplo, fazer o bem para essa pessoa pensando em receber elogios para que ela diga que você é uma pessoa formidável. Si vous voyez quelqu'un qui souffre et que vous êtes un peu forcé de rester là, vous pouvez aider quelqu'un, non pas vraiment pour aider cette personne, mais pour soulager votre propre détresse empathique, parce que vous ne supportez pas de le voir souffrir, pour faire quelque chose. Por exemplo, se você vê alguém sofrendo, você pode ajudar essa pessoa, não por realmente querer ajudá-la, mas para se aliviar da dor que você sente, da angústia que você sente de ver essa pessoa sofrendo. Mais si on vous donnait la possibilité de ne plus voir ça, une échappatoire facile, vous partiriez tout de suite. Porque se é oferecida uma escapatória, uma possibilidade de não presenciar mais isso, você escapa rapidamente. Donc il y a effectivement des simulacres de l'altruisme. Então há de fato simulacros do altruísmo. Mais est-ce que ça veut dire que toujours et dans tous les cas, on trouvera une explication égoïste à un comportement altruiste? Então isso quer dizer que a gente sempre vai encontrar uma explicação egoísta para um comportamento altruísta? Et la réponse est non, parce qu'il y a des gens qui ont justement fait ça dans des conditions de laboratoire pendant des années et dans tous les sens, et comme je vais vous le montrer un peu plus tard, on trouve qu'à chaque fois,
il y a des gens, quelles que soient les circonstances et les possibilités d'échapper, etc., qui vont se comporter d'une manière qui ne peut s'expliquer que par une motivation altruiste. E a resposta é não, porque foram feitas várias experiências em laboratório que nós vamos mostrar mais tarde e que a pessoa de fato agiu de uma maneira altruísta. Alors, qu'est-ce que c'est que l'altruisme? Então, o que é o altruísmo? Alors, effectivement, certaines personnes disent l'altruisme, ça doit être nécessairement une action bienfaisante pour autrui. Então, alguns dizem que o altruísmo é necessariamente uma ação benéfica em relação ao outro. Alors, bien sûr, une action bienfaisante, c'est formidable, il faut en faire le plus possible. É lógico que uma ação benéfica é formidável e devemos fazê-la o máximo possível. Mais on peut imaginer que cette action soit effectivement motivée par quelque chose d'égoïste, c'est-à-dire je fais quelque chose de bon pour en retirer plus, enfin pour toutes les raisons que j'ai, les possibilités que j'ai mentionnées. Então, a gente pode imaginar que essa ação benéfica possa ser motivada por um motivo egoísta, por todas as razões que eu citei. Donc on ne peut pas juger uniquement le caractère altruiste ou égoïste d'une action simplement par son aspect. Então, nós não podemos julgar o caráter egoísta ou altruísta de uma ação simplesmente pelo aspecto que ela tem. Donc, ce qui détermine véritablement la qualité d'une pensée, d'une parole ou d'un acte, c'est la motivation. Então, o que determina realmente o caráter de uma ação é a motivação. Donc, c'est pour ça que, aussi bien dans le bouddhisme, mais aussi les psychologues qui sont les meilleurs spécialistes de l'altruisme, comme le Daniel Batson aux États-Unis, définissent l'altruisme comme une motivation, une intention. Então é por isso que os filósofos, os budistas e o Daniel Batson, que é especialista em altruismo, define que o altruísmo depende da motivação. Donc quelqu'un comme Daniel Batson ne dit pas il y a des gens qui sont constamment toujours 100% altruistes. Então, o Daniel Batson, por exemplo, ele diz que não há pessoas que são o tempo todo 100% altruístas. Ele diz, nós temos todas sortes de pensées, certaines visent au bien d'autrui, certaines peuvent souhaiter nuire à autrui, d'autres sont neutres. Então, nós temos vários tipos de pensamentos. Alguns querem o bem do outro, alguns querem o egoísmo e outros são neutros. Donc ce que les psychologues comme Daniel Batson appellent l'altruisme, c'est qu'à un moment donné, vous avez une pensée particulière dont le but ultime est le bien d'autrui. Então ele diz, o Daniel Batson, que você tem, por exemplo, pensamento, uma ação, que em determinado momento tem uma motivação altruísta, que é querer o bem do outro. Donc à ce moment-là, dans ce cas particulier, vis-à-vis de cette situation et de cette personne, c'est de l'altruisme. Então, nesse momento exato, nessa ação particular, em relação a essa determinada pessoa, existe o altruísmo. Donc, cette pensée est orientée véritablement vers l'autre et non pas vers soi en pensant qu'en faisant ceci, ça sera un instrument pour promouvoir nos intérêts personnels. Então, essa ação é visada diretamente para o bem do outro e não pensando que através daquilo eu vou ter algum benefício. Donc ça veut dire que nous sommes concernés par la situation de l'autre. Isso quer dizer que nós estamos preocupados com a situação do outro. Non pas par rapport à nous, mais par rapport à lui, à sa situation. Não com relação a nós, mas com relação a ele e à situação dele. Alors pour être concerné par la situation de l'autre, il faut accorder de la valeur à l'autre. Então, para estar preocupado com a situação do outro, é preciso que nós enxerguemos valor, que demos valor a essa pessoa. C'est-à-dire une valeur intrinsèque, pas une valeur instrumentale pour nos propres intérêts. Isso quer dizer valor intrínseco e não valor instrumental que serviria ao nosso próprio bem. Donc, si on accorde la valeur intrinsèque à l'autre, qu'on se dit, bon, cette personne ne souhaite pas souffrir, quelle est sa situation? Elle aspire au bonheur. Quelle est sa situation? Et en fonction de ça, si on a une pensée, une intention altruiste, on va essayer de remédier à ses souffrances si elle souffre ou de faire quelque chose pour accomplir son bien-être en général.
Então, se nós dermos um valor intrínseco a essa pessoa, numa determinada situação, nós vamos pensar, ela quer ser feliz e vou tentar ajudá-la para que isso ocorra. Alors, il y a des gens qui vous disent, oui, mais en fait, quand vous faites du bien à l'autre, les gens vont dire, ah, je me sens très bien après ça, ça me fait du bien. En anglais, on appelle ça le warm glow, donc la joie. Et vous dire, mais vous ne faites pas ça vraiment pour l'autre, vous faites ça parce que ça vous fait du bien. Il y a des personnes qui disent que quand vous faites le bien pour l'autre, vous vous sentez très bien et tal. Donc, que vous êtes faisant aquilo non pour aider l'autre, mais pour votre propre bien-être. Et ce raisonnement, en fait, est un peu erroné et de mauvaise foi, parce qu'en vérité, le fait de se sentir bien est une conséquence secondaire d'avoir été altruiste, d'avoir fait le bien de l'autre, mais ce n'est pas la motivation principale. Mas isso é um pensamento errado, porque a consequência de se sentir bem acontece, mas isso não é a motivação inicial. Si c'est un effet, un bonus en quelque sorte, ça ne remet pas en cause la nature altruiste de l'intention première. Isso é um bônus que não questiona a natureza da motivação altruísta primeira. C'est un peu comme si vous cultivez un champ pour faire cultiver du blé. Por exemplo, se vocês têm um campo onde vocês plantam o trigo. Vous le faites pour nourrir votre famille, pour nourrir le village. Vocês o fazem para nutrir a sua família ou um vilarejo. Mais aussi vous avez de la paille. Mas você também tem a palha. Vous n'avez pas fait tous ces efforts pour avoir de la paille, mais vous avez de la paille en plus. Vocês não fizeram todos esses esforços para ter a palha, mas vocês já têm a palha como um plus, algo a mais. Donc le fait d'avoir en plus une certaine joie, satisfaction d'avoir été altruiste, ça vient un peu comme un de surcroît, comme un cadeau supplémentaire. Então, o fato de ter essa satisfação em ter sido altruísta vem como um presente suplementar. Mas isso vem aussi do fato que, en fait, ça montre aussi que c'est comme ces enfants qui sont plus joyeux quand ils donnent que quand ils gardent le bonbon, que c'est quelque chose qui correspond mieux à ce que nous sentons être notre nature profonde. Então, como essas crianças que são mais felizes quando fazem o bem, isso significa que é algo da nossa natureza mais profunda. Pourquoi? Parce que, en fait, si nous pensons toujours en termes complètement égoïstes. Porque se nós pensarmos sempre em termos completamente egoístas. Si vous pensez moi, moi, moi du matin au soir, généralement, c'est un état assez misérable. Se você pensa eu de manhã até à noite, normalmente você vai estar num estado miserável. Pourquoi? Parce que si tout le monde doit être perçu en fonction de ce qui peut constituer une menace ou au contraire quelque chose de plaisant pour soi. Porque se todo mundo for considerado como uma ameaça ou algo que vai trazer um benefício para mim, vous devenez extrêmement vulnérable. Você vai se tornar extremamente vulnérável. Et puis l'univers c'est pas un catalogue pour tous vos désirs et vos caprices. E o universo não é um catálogo para todos os seus desejos e caprichos. Donc chaque situation, chaque personne, ça veut dire est-ce que je peux en tirer du bien ou est-ce que c'est un danger? Donc tout devient compliqué. E aí tudo se torna muito complicado, porque cada pessoa é, será que eu consigo algo dessa pessoa positivo ou será que ela está me ameaçando de alguma maneira? Donc on a tendance à tout réduire à cette petite bulle de l'égocentrisme. Então essa tendência de reduzir tudo essa pequena bola do egocentrismo. Et cette bulle est tellement étroite finalement. Essa bola se torna tão estreita finalmente. Que les pensées n'arrêtent pas d'espoir, de crainte, de doute, de peur, d'attente, ne cesse pas de rebondir sur les parois de la bulle de l'ego et on est très mal à l'aise. E aí nós ficamos muito, sentimos muito mal porque esses pensamentos ficam batendo nas paredes dessa bola para lá e para cá de egoísmo, de medo, de coisas negativas. Et donc, en plus, les autres, évidemment, vont nous percevoir comme quelqu'un qui n'est pas très agréable à vivre. E também as pessoas, os outros, vão nos ver como pessoas que não são muito agradáveis para conviver. Et en plus, cette attitude est très dysfonctionnelle parce qu'elle est en opposition avec la réalité. E além disso, essa atitude é muito disfuncional porque ela está em oposição à realidade. On pourrait en effet supposer qu'on est des petites entités autonomes. Et on peut se dire, je vais construire mon petit bonheur dans ma bulle,
Je n'ai rien contre le bonheur des autres, mais c'est pas mon affaire. Então nós podemos pensar que somos entidades autônomas, que eu vou construir o meu minha pequena felicidade aqui na minha bola, mas que não tenho ligação nenhuma com o outro. Le problème c'est que ça ne marche pas parce que la réalité n'est pas faite d'entités séparées autonomes. O problema é que isso não funciona, porque a realidade não é feita de entidades autônomas. Notre bonheur comme notre souffrance est toujours associé passe au travers du bonheur et des souffrances d'autrui. A nossa felicidade e o nosso sofrimento é sempre ligado e passa através da felicidade ou do sofrimento dos outros. Il n'y a rien dans ce que nous faisons, de ce que nous utilisons qui n'implique pas une quantité incalculable d'autres personnes. Não há nada que nós façamos que não implique uma quantidade inumerável de outras pessoas. Vous savez, les gens des fois ils ont des tasses comme ça. En France ils ont ça des fois. On trouve avec le prénom. Alors il y a Mathieu. Alors les gens sont très contents. Ils boivent leur thé dans une tasse où il y a marqué Mathieu. Por exemplo, na França existem copos que têm o nome da pessoa e elas ficam muito felizes de beber algum líquido nesse copo com o nome delas. Mais si vous vouliez refléter la réalité de ce verre ou de cette tasse, il faudrait écrire des milliers de noms. Se vocês forem olhar a realidade desse copo, por exemplo, seria necessário ter milhares de nomes. J'ai un ami, Greg Norris, à Harvard, qui étudie toutes les ramifications de ce qui est impliqué pour faire des objets très simples. Eu tenho um amigo em Harvard que estuda todas as implicações para se fazer um objeto assim muito simples. Une feuille de papier blanc vendue en France implique 25 pays différents. Uma folha de papel branco que é vendida na França implica 25 pays. Implica 25 países no mundo todo. Dans le papier blanc, il y a de l'amidon qui vient des pommes de terre de Tchécoslovaquie. Por exemplo, tem as batatas, o amido das batatas que vem da Tchecoslováquia. Le bois peut venir des forêts de Norvège ou de Finlande. A madeira que vem das florestas da Finlândia. Monsieur qui a coupé le bois, quelqu'un qui a une famille, qui a des grands-parents, qui a des enfants. Aquele que cortou a madeira, que tem uma família, que tem filhos. Et puis il y a le transporteur qui a transporté le bois vers l'usine. On n'en finit plus de voir tout ce qui est impliqué dans une simple feuille de papier. E aquela pessoa que fez o transporte da madeira, a gente não pode imaginar o número de pessoas implicadas em uma folha de papel branco. Donc, nous ne sommes pas des entités isolées, nous sommes profondément interdépendants. Então nós não somos entidades isoladas, somos todos interdependentes. Si vous regardez l'aspect contraire, celui qui au contraire n'est pas renfermé moi, mais qui s'ouvre davantage à la réalité, c'est-à-dire à la présence de tous les autres. Se você observar alguém que não está ali fechado na sua pequena bola, mas que se abre mais à presença de todos os outros. Tout d'abord, les états mentaux liés à l'altruisme, à la bienveillance, à la bonté, à la tendresse. Então, os estados mentais ligados ao altruísmo, à benevolência, à ternura. Sont les états mentaux les plus, je dirais, satisfaisants, gratifiants. São os estados mentais mais satisfatórios, mais gratificadores. Une des fondatrices de la psychologie positive, Barbara Fredrickson, a écrit un livre récemment sur cette notion de résonance positive avec l'autre, c'est comme ça qu'est défini l'amour, par exemple. Uma das fundadoras da psicologia positiva escreveu um livro recentemente en disant que c'était l'émotion suprême. Dizendo que l'altruisme était l'émotion suprême. L'amour, l'ouverture à l'autre, la résonance positive avec l'autre. Que a ressonância positiva com o outro era o bem supremo. Parce que c'est celle qui nous ouvre davantage l'esprit et qui s'accompagne pour nous aussi des plus grands effets, des meilleurs effets où on se sent bien en nous-mêmes. Porque é através dela que a gente abre a nossa mente e se sentir bem em soi-même. E nós vamos nos sentir bem conosco mesmos. Donc, évidemment, les autres nous percevront comme quelqu'un avec qui il fait bon vivre. E evidentemente as pessoas, os outros vão perceber em nós alguém com quem é agradável conviver. D'autre part, l'altruisme et la compassion sont en harmonie avec la réalité parce qu'elles tiennent compte de l'interdépendance des êtres. E, por outro lado, o altruísmo e a compaixão estão em harmonia com a realidade porque eles pensam no bem-estar, levam em consideração o bem-estar dos outros.
si je me réveille le matin, je me dis pas, puisse-je souffrir toute la journée et si possible toute ma vie. É, se eu acordo de manhã e penso, ah, eu vou sofrer toda durante o dia e pode ser que eu nem sobreviva. Et donc, il n'est pas trop difficile, si j'accorde de la valeur à cette aspiration, puisse-je ne pas souffrir. Pardon, puis. Si j'accorde de la valeur à ce souhait que j'ai de ne pas souffrir. Se eu der valor a esse desejo que eu tenho de não sofrer. C'est pas très difficile de se transporter dans l'esprit de quelqu'un d'autre et de se dire, même s'il est confus, s'il ne sait pas où chercher le bonheur, lui non plus, au fond, ou elle non plus, au fond, ne souhaite pas souffrir. Non, isso não vai ser difícil imaginar que essa outra pessoa que está na minha frente, que esteja sofrendo, que no fundo dela mesma, ela não queira sofrer. Et donc, cette compréhension débouche naturellement sur le souhait plus les être heureux et trouver les causes du bonheur, ça c'est ce qu'on appelle l'amour altruiste. Então, com certeza, isso vai desembocar no desejo de que o outro seja feliz, que é o que nós chamamos o amor altruísta. Et s'il s'avère que les êtres souffrent, ce qui évidemment se produit très fréquemment, cet amour altruiste devient la compassion, c'est-à-dire le souhait plus les être séparés de la souffrance et des causes de la souffrance. E se nós percebemos que há sofrimento no mundo, com certeza esse amor altruísta vai se transformar em compaixão para que possamos ajudar essas pessoas. Donc on va maintenant je vais vous montrer quelques données scientifiques, mais ce qu'il semble c'est que nous sous-estimons la présence de cette faculté altruiste dans notre existence et dans la société. Então, eu vou mostrar alguns dados científicos para vocês daqui a pouco, mas o que, no fundo, o que a gente percebe é que nós subestimamos a presença desse amor altruísta em todos os seres humanos. Donc, le thème de ce que nous allons dire aujourd'hui, plus qu'il y a dans ce livre, c'est que nous avons cette possibilité d'altruisme, mais aussi on peut la cultiver sur le plan individuel et on peut trouver un point d'articulation pour arriver à une transformation de société également. Então, a gente vai trabalhar hoje que o que está mostrando nesse livro é que nós temos essa presença do amor altruísta em nós, que nós podemos desenvolvê-lo nos outros e transformar a sociedade. Alors tout d'abord, si nous l'avons ces qualités, c'est pas tombé du ciel, c'est des millions d'années d'évolution. E nós, se nós temos essas qualidades, elas não caíram do céu. São resultado de milhares de anos de evolução. Se nós temos des émotions, se nós temos essa faculdade de empatia, se nós temos des possibilités de l'altruisme à côté de l'égoïsme, on doit retrouver aussi ces mêmes composantes, de façon légèrement différente, présentes chez d'autres espèces animales. Que se nós temos essas qualidades, o altruísmo, a compaixão, nós podemos encontrá-la também em outros seres, como, por exemplo, nos animais. E depuis une vingtaine d'années, ou 30 ans, disons, c'est aussi ce qui a été de plus en plus mis en évidence par les gens qui étudient le comportement animal. E há cerca de 20 anos, isso foi colocado em evidência pelas pessoas que estudam o comportamento animal. Il y a d'innombrables exemples rapportés par ces éthologues. Há inúmeros exemplos relatados por esses etologistas. Il suffit de voir les livres de Jane Goodall, de Franz de Waal, par exemple. Basta olhar o livro da Jane Goodall e Franz de Waal. E Franz de Waal. Un livre s'appelle L'âge de l'empathie. E livro que se chama A Idade da Empatia. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'on peut repérer, par exemple, chez les chimpanzés ou chez d'autres animaux, des comportements qui ne peuvent s'expliquer que par cette idée de prendre soin de l'autre. E nós podemos observar nos chimpanzés e em outros animais comportamentos que só podem ser explicados por uma atitude de querer ajudar o outro. Et d'une manière dont on ne voit pas en quoi ça pourrait être un comportement intéressé. E de uma maneira que não podemos imaginar que pudesse ser comportamento interesseiro. Pour vous donner un exemple, l'exemple d'une vieille chimpanzé qui avait du mal à aller vers un point d'eau pour boire. Então, para dar exemplo, havia uma chimpanzé velha que não conseguia ir até o poço de água para beber. Et des jeunes femelles qui n'étaient pas liées par des liens de famille.
e jovens macacas que não estavam ligadas a ela por ligações familiares. Quand elle voyait la vieille chimpanzé qui se levait pour aller vers l'eau. Quando viam essa velha chimpanzé que tentava se levantar para ir até a água. Elle courait vers l'eau, se remplissait la bouche d'eau, revenait vers la vieille chimpanzé qui ouvrait la bouche et lui injectait de l'eau dans la bouche. Elas corriam até o poço, enchiam a boca de água e vinham até a velha chimpanzé e jogavam essa água na boca dela. Et c'est pas une fois, mais c'est beaucoup de fois. Isso não foi uma única vez, foram várias vezes. Aussi l'histoire d'un vieux chimpanzé malade qui pouvait plutôt beaucoup sortir de son abri. Também há a história de um velho chimpanzé que estava doente, que não conseguia mais sair do seu abrigo. Et les autres lui apportaient de la paille pour qu'il soit plus à l'aise et qu'il puisse mieux se coucher. Os outros traziam a palha até ele para que ele pudesse se acomodar melhor para dormir. Et aussi on sait que les chimpanzés ont horreur de l'eau, ils veulent absolument pas aller dans l'eau. E nós sabemos que os chimpanzés têm horror da água, eles não aguentam entrar na água. Et il y a plusieurs histoires de chimpanzés qui vont dans l'eau pour sortir quelqu'un qui est tombé ou un petit qui est tombé et sans être que ça soit leur propre ils sont pas génétiquement liés mais pour aider celui qui est en difficulté. Então nós temos várias histórias de chimpanzés que entram na água para ajudar um outro chimpanzé pequeno que tenha caído lá por acaso e que não tenha nenhuma ligação genética com eles familiar. Je raconte aussi l'histoire entre espèces, par exemple, un bébé rhinocéros qui était tombé dans la boue. Por exemplo, uma história de diferentes espécies. Um bebê rinoceronte que caiu em um lamaçal. Les rhinocéros sont pas toujours très très malins, aussi malins que les éléphants. E os rinocerontes não são tão espertos quanto os elefantes. Et donc la mère rhinocéros, elle était là à regarder, peut-être aussi elle n'a pas les outils pour aider son enfant. E a mãe desse rinoceronte estava ali olhando sem saber o que fazer para ajudar o filho. Et il y a un troupeau d'éléphants qui est venu et une mère éléphant a vu ça et elle est venue essayer de sortir le bébé rhinocéros avec ses défenses. E veio uma tropa de elefantes e uma mãe elefante foi até lá para tentar tirar o pequeno rinoceronte com os seus dentes. Et la mère rhinocéros qui est pas très maline, quand elle a vu ça, elle a chargé l'éléphant. E a mãe do rinoceronte, que não é muito esperta, quando viu isso, ela foi lá tentar afastar a elefante do seu filhote. Donc la mère éléphant est partie et quand la mère rhinocéros est rentrée un peu dans la forêt, la mère éléphante est de nouveau venue aider. E a mãe elefante foi embora, mas quando ela viu que a mãe rinoceronte entrou um pouquinho na mata, ela voltou correndo para ajudar o filhote. Et la rhinocéros de nouveau lui a chargé. E ela de novo, a mãe rinoceronte voltou correndo para impedir que ela fizesse isso. Et trois fois de suite, la mère éléphante a essayé de sortir le bébé rhinocéros. E por três vezes em seguida, essa mãe elefante tentou salvar o pequeno rinoceronte. Alors que le reste du troupeau était déjà parti. Enquanto que o resto da tropa já tinha ido embora. Finalement, elle s'est lassée parce que la mère rhinocéros voulait pas la laisser faire. A mãe rinoceronte não deixou que ela fizesse isso. Mais l'histoire s'est bien terminée parce que le bébé est sorti tout seul. E a mãe elefante se cansou e foi embora, mas a história terminou bem porque o pequeno rinoceronte conseguiu sair sozinho. Então, histórias como essa, il y en a beaucoup. C'est toujours très intéressant et émouvant de voir ça. Histórias como essa há muitas e é muito emocionante, interessante observá-las. Mais ça montre un vrai souci de l'autre. Isso mostra uma verdadeira preocupação com o outro. Par exemple, une dernière histoire. A última un história. Un éléphant qui dont la trompe avait été coupée, je sais plus dans un piège ou quelque chose. Um pequeno elefante que teve a trompa cortada por alguma coisa. Et donc il pouvait plus se nourrir. E ele não podia mais se alimentar. Et les autres éléphants lui apportaient des roseaux, des plantes aquatiques qui étaient très tendres. E os outros elefantes traziam para ele plantas aquáticas que eram muito macias. Et puis quand la blessure s'est guérie, cet éléphant donc avec une moitié de trompe, il s'est aperçu qu'il pouvait effectivement non pas se nourrir des nourritures habituelles, mais de ces plantes roseaux qui étaient tendres. E esse elefante, quando sarou a ferida da tromba dele, ele percebeu que ele conseguia se alimentar de pequenas plantas macias que eram mais baixas. Et normalement le troupeau bouge constamment, mais du fait que c'est la seule manière pour cet éléphant de se nourrir, le troupeau est resté. Il est devenu presque sédentaire auprès de ces marais où il y avait ces plantes.
E, normalmente, a tropa de elefantes se movimenta para diferentes lugares. Mas, como eles viram que esse pequeno elefante só podia se alimentar dessas plantas que havia naquele local, eles permaneceram lá. Donc, si des éléphants, des chimpanzés peuvent être altruistes, pourquoi pas nous? Então, se os elefantes e os chimpanzés podem ser altruístas, por que não nós? Bueno, peut-être je vais vous montrer quelques images qui replacent tout ça dans un contexte. Eu vou então mostrar algumas imagens para vocês. Assez, un peu plus vaste. Que mostram isso em uma situação mais vasta, mais ampla. Ah, pardon. Donc l'idée c'est Então a ideia é Oui, ça arrive. L'idée arrive. A ideia está chegando. C'est que nous faisons face à notre époque à toutes sortes de défis. Que nós enfrentamos em nossa época todo tipo de desafios. Il y a des défis dans notre existence. Há desafios em nossa existência que podem ser devido à precariedade, como essas pessoas que são reduzidas a viver na rua, como essas pessoas que se reduzem a viver na rua. Ça peut être aussi simplement dû à notre propre esprit. E podem acontecer simplesmente devido à nossa mente. Nous avons affaire à notre esprit du matin au soir. Nós temos que lidar com nossa mente desde amanhã até a noite. Cet esprit peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi. E ela pode ser o nosso melhor amigo como o nosso pior inimigo. Donc c'est vrai que beaucoup de nos souffrances sont fabriquées par le fonctionnement de notre propre esprit, de notre ignorance, de notre confusion. Então o nosso sofrimento pode ser fabricado pela nossa mente, pela nossa ignorância e nossa confusão. Mais il y a aussi des défis encore plus globaux qui affectent l'ensemble de l'humanité et même de toute la biosphère. Mas há também desafios mais globais que afetam toda a humanidade, toda a globosfera. Qui fait que nous sommes un peu comme cet homme peut-être au bord d'un précipice. Que faz com que nós sejamos um pouco como esse homem à beira de precipício. Alors l'un de ses principaux défis est de réconcilier trois échelles de temps. E um dos principais desafios é reconciliar três escalas do tempo. Il y a le court terme qui est souvent relié à ce qu'on appelle l'économie, c'est-à-dire la montée et la descente des cours de la bourse d'un jour à l'autre. Ao curto termo que é ligado à economia, à descida e à subida da bolsa. Et puis on fait les bilans à la fin du mois, à la fin de l'année et on dit ça c'est la réalité. E nós fazemos o balanço no fim do mês ou no fim do ano e dizemos, isto é a realidade. Alors, bien sûr, c'est la réalité si on a du mal à nourrir ses enfants, à nourrir sa famille, à trouver un toit. E isso sim é a realidade se nós tivermos dificuldade em nutrir nossos filhos e encontrar teto para nossa família. C'est certainement l'urgence si on est au-dessous du seuil de la pauvreté, il y a 1,5 milhão de personnes qui sont encore dans le monde sous le seuil de la pauvreté. E isso daí certamente é uma urgência, porque há 1,5 bilhão de pessoas que estão abaixo do nível... Um bilhão, em português é bilhão. Ah, d'accord. Que estão abaixo do nível de pobreza. E como vous dites 1 milhão, alors? Milhão. E milhar? Milhar, c'est bilhão. Ah, bilhão, ok, d'accord. Ok, pardon. Okay. Donc, il y a cette... Ce court terme. Então há esse curto termo. Et c'est vrai que, en gros, les économistes, ils fonctionnent au maximum à 5 ans parce que le reste, c'est trop loin pour s'en préoccuper. Então, em geral, os economistas funcionam só com prazo de 5 anos porque após isso é muito complicado para eles, é muito longe. Personne va émettre des bons du trésor qui vont donner des revenus dans 100 ans. Ninguém vai emitir papéis do tesouro que vão dar rendimentos em 100 anos. Mas há aussi le moyen terme que é a qualité de vie, l'appréciation de notre satisfaction de vie. Mas há também o meio termo que é a qualidade de vida, a apreciação da vida. C'est-à-dire l'espace de 10 ans, 20 ans, une carrière, une famille, une vie. Quer dizer, o espaço de 10 a 20 anos, uma carreira, uma família, uma vida. Et là, c'est sûr que
une nation ou une société qui serait la plus riche et la plus puissante et tout le monde est malheureux, ça sert à rien. Então, uma sociedade, um país que seja muito rico e todo mundo seja infeliz, não serve para nada. Donc la satisfaction de vie, c'est d'une part la qualité de chaque moment qui passe. Então a satisfação de vida, por um lado, é a qualidade de cada momento que passa. Mais c'est aussi l'appréciation que l'on a des 10, 20 années qui ont passé. Mas é também a apreciação que temos dos 10 ou 20 anos que passaram. Et pour ceux qui sont encore jeunes ou qui ne pensent pas à l'impermanence, ce qu'on perçoit de ce qui pourrait advenir dans 10 ou 15 ans. E para aqueles que ainda são bem jovens ou que não lembram da impermanência, aquilo que vai acontecer daqui 15 ou 20 anos. Et puis il y a le long terme. E há também o longo termo. Qui pendant longtemps finalement nous concerne moins. À savoir qu'est-ce qui va advenir des générations à venir. Que não diz tanto respeito a nós, que significa o que vai acontecer com as próximas gerações. Alors, il est vrai qu'on trouve dans beaucoup de sagesse, par exemple chez les Indiens d'Amérique du Nord, qui disaient, quand on prend une décision, on doit avoir en penser à ce qu'elle fera 7 générations plus tard. Nós encontramos muita sabedoria, como por exemplo nos índios da América do Norte, que dizem que cada decisão que a gente vai tomar, nós precisamos levar em consideração as próximas 7 gerações. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Mas isso não é o caso com todo mundo. Par exemple, moi je suis un admirateur des Marx Brothers. Eu, por exemplo, sou um admirador dos irmãos Marx. Donc je suis marxiste de la tendance Groucho. Então eu sou marxista de tendência Groucho. Et Groucho a dit: pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? E o Groucho disse: por que que eu vou me preocupar com as próximas gerações? O que que elas fizeram para mim? Mais il y a des gens qui disent ça très sérieusement. Mas há pessoas que dizem isso de uma maneira bastante séria. Par exemple, le milliardaire américain Stephen Forbes. Por exemplo, o bilionário americano Stephen Forbes. Qui était interrogé sur Fox News à propos de la montée du niveau des océans. Que foi entrevistado na Fox News a respeito da subida dos oceanos. Disait: je trouve absurde de changer nos comportements maintenant pour quelque chose qui se passera dans 100 ans. Que dizia que eu acho um absurdo a gente mudar o nosso comportamento agora por uma coisa que vai acontecer daqui 100 anos. Donc, en gros, après moi, le déluge. Então, em suma, depois de mim, o dilúvio. Mais cette question du long terme, c'est quelque chose qui nous a pris par surprise. Mas essa questão a respeito do longo termo, ela nos tomou de surpresa. Personne n'a décidé de faire du tort ainsi à la biosphère et à la planète. Ninguém decidiu fazer o mal dessa maneira à biosfera e ao planeta. On se sent pas donc personnellement responsable. A gente não se sente pessoalmente responsável. Et donc c'est difficile d'essayer de prendre ça en considération. Então é difícil de levar isso em consideração. Une des raisons aussi, c'est que il y a encore 10 000 ans, nous étions entre 1 et 5 millions d'êtres humains sur Terre. Então, há 10 mil anos, nós éramos entre 5 e 10 milhões de pessoas na Terra. Donc, on était, l'impact qu'on avait sur la planète était extrêmement limité et la planète pouvait réparer ça presque instantanément. Então, o impacto que nós tínhamos sobre o planeta era mínimo e isso podia ser refeito instantaneamente. Mais aujourd'hui, peu à peu, avec la révolution industrielle, scientifique, technologique, nous avons multiplié par 100 ou par 1000 nos moyens d'action et nous sommes devenus la force majeure d'action sur l'avenir de la planète. Mas atualmente, com a evolução tecnológica, científica, etc., nós multiplicamos essa ação e la force majeure d'action sur la planète. A nossa força maior de ação sobre o planeta. Et puis émotionnellement, nous sommes équipés pour réagir à des dangers immédiats. E emocionalmente nós estamos equipados para reagir a perigos imediatos. Pour revenir au rhinocéros, si je vous dis il y a un rhinocéros qui arrive maintenant dans cette pièce en courant. Para voltar ao rinoceronte, se eu disser para vocês que vai entrar um rinoceronte correndo aqui nessa sala. Alors, je sais pas par où il serait rentré, mais imaginons qu'il arrive. Eu não sei por onde ele vai entrar, mas vamos imaginar que ele chegue aqui. Tout le monde s'en part, tout le monde s'en va. Todo mundo vai sair correndo. Et si vous dites il y aura un rhinocéros dans 30 ans, vous dites bah, et alors?
E se eu disser que vai entrar um rinoceronte aqui em 30 anos, todo mundo vai dizer, e daí? On verra bien. A gente vai ver o que vai fazer. Et c'est ce que beaucoup de chefs d'État disent. Vous dites, dans 50 ans, il y aura des catastrophes environnementales majeures. Ils disent, revenez dans 49 ans, on verra. Os chefes de Estado dizem isso. Se dissermos que vai haver uma catástrofe daqui 50 ou 100 anos, eles dizem, ah, depois a gente vê isso. Maintenant, bien sûr, ce discours est inacceptable. Mas agora esse discurso se tornou inaceitável. Alors, pour en revenir à cette personne au bord du précipice, então, para retornarmos a essa pessoa à beira do precipício, il y a un chef d'État d'un pays que je nommerai pas. Há um chefe de Estado de um país que eu não vou dizer qual. Pas, c'est pas le Brésil. E não se preocupem, não é o Brasil. Qui a dit il y a une dizaine d'années à propos de son pays. Que disse há 10 anos em relação ao seu país. Il y a 5 ans, nous étions au bord du précipice. Aujourd'hui, nous avons fait un grand pas en avant. Que disse há 5 anos nós estávamos à beira do precipício e então, nós agora fizemos um grande passo adiante. Vous imaginez ce qui va se passer si cette personne fait un grand pas en avant. Vocês podem imaginar o que vai acontecer se essa pessoa der um grande passo adiante. Donc à quoi cela correspond cette limite? Bah, je peux pas le faire parce que c'était pas un écran, donc j'ai plus de. Donc juste la limite qui est le bord du précipice, ça c'est un symbole, mais à quoi ça correspond dans l'évolution de la planète? Então essa beira do precipício, a que corresponde em termos da evolução do planeta? Alors tout d'abord, nous avons vécu depuis 12 000 ans dans une période de stabilité climatique exceptionnelle qu'on appelle l'Holocène. Vous voyez, c'est cette partie ici, là, en haut à droite, où les oscillations sont toutes plates. C'est-à-dire então, qu'il y a c'est très peu de variations. Je dois traduire, s'il vous plaît. Vous voyez sur le graphique, là, oui, que il y a nós vivemos uma extrêmement stable. Nós vivemos um período de clima muito estável. Et c'est ça qui a permis l'expansion de la civilisation humaine. Stable ou instable? Stable, très stable. Muito estável. Auparavant, il y avait d'énormes variations. Antigamente, havia enormes variações. Et à plusieurs occasions, l'espèce humaine aurait pu disparaître. E em várias ocasiões, a espécie humana poderia ter desaparecido. À un moment donné, on peut voir par l'analyse génétique, probablement il ne restait plus que 20 000 humains sur Terre. Em certos momentos, não restava mais do que 20 mil humanos sobre a Terra. Il y a 200-300 mil ans, en raison des variations climatiques extrêmes. Em razão das variações climáticas extremas. Donc nous sommes dans une période extrêmement stable jusqu'à récemment. Nós, então, estávamos em um período bastante estável até recentemente. Et ça pourrait continuer encore pendant 50-60 mil ans. Isso poderia continuar ainda durante 50-60 mil anos. À condition que l'on reste dans les limites de sécurité planétaire. Desde que nos permanecêssemos dentro desses limites de segurança planetário. Donc le cercle que vous voyez ici, c'est un peu comme le bord du précipice. Esse círculo que vocês veem aí é um pouco como a beirada do precipício. Si vous restez à l'intérieur, vous ne risquez pas grand-chose. Si vous traversez cette limite, il peut y avoir des points de bascule. Se vocês permanecerem no interior, não acontece nada. Mas se você atravessar a linha do limite, há muitas coisas que vão mudar. Donc, il y a une dizaine de facteurs, comme le réchauffement climatique, l'acidité des océans, etc., qui ont été déterminés par les scientifiques. Há uma série de fatores, como o aquecimento global, a acidificação dos oceanos, que vão causar problemas. Et en 1900, c'est ce que vous voyez ici, nous étions tout à fait à l'intérieur de la zone de sécurité. Et en 1900, que é o que vocês veem nesse gráfico, nós estávamos totalmente dentro da zona de segurança. En 1950, est venu ce qu'on appelle la grande accélération. Em 1950 aconteceu o que nós chamamos de grande aceleração. Donc vous voyez que certains facteurs comme le réchauffement climatique, l'utilisation des sols s'approche déjà de la zone d'insécurité. Então vocês podem ver que alguns elementos se aproximam da zona da beirada da zona de segurança, como o aquecimento global e a utilização dos solos. Alors retenez un instant votre souffle, pas trop longtemps, pour imaginer le diagramme suivant qui correspond à
as années actuelles. Então segure um pouco o seu fôlego, não por tempo demais, para se preparar para o que virá no próximo gráfico mostrando os tempos atuais. Et voilà. E aí está. On a largement dépassé les zones de sécurité pour plusieurs facteurs. E nós ultrapassamos em grande medida a zona de segurança para vários fatores. Alors, pour vous donner un exemple que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit mais une réalité. Para dar a vocês um exemplo que isso aí não é algo construído pela mente, mas uma realidade. L'un des trois facteurs qui a dépassé les limites, c'est la biodiversité. Um dos três fatores que ultrapassaram o limite é a biodiversidade. Alors, c'est pas seulement une prospective, c'est au rythme actuel. Isso não é uma perspectiva, prospectiva, é o ritmo atual. De disparition des espèces, complètement, une espèce qui disparaît complètement. O desaparecimento das espécies, espécies que desaparecem completamente. Si ça continue au même rythme, et probablement ça peut encore s'accélérer. Se continuar no mesmo ritmo, isso pode ainda se acelerar? 30% de toutes les espèces sur Terre auront disparu en 2050. 30% de todas as espécies da Terra terão desaparecido até 2050. Et c'est pas seulement le tigre de Sibérie ou le rhinocéros blanc du nord de l'Afrique, c'est tout des espèces d'insectes, de poissons, de batraciens, etc., etc. Isso não diz respeito somente ao tigre da Sibéria ou a uma outra espécie qualquer. Isso se refere a todos os peixes, todos os insetos, todos os tipos de animais. E c'est seulement 2050, mais d'ici la fin du siècle, ça pourrait être encore bien pire. E a gente está falando só de 2050. Se pensarmos no final do século, isso se torna muito pior. Ça représenterait la sixième grande extinction des espèces depuis l'apparition de la vie sur Terre. Representaria a sexta grande extinção das espécies que aconteceram sobre a Terra. La cinquième étant celle qui a donné lieu à la disparition des dinosaures, qui sont bien connus, mais aussi d'innombrables autres espèces à cette époque. A quinta foi o desaparecimento dos dinossauros, mas também de um número enorme de outras espécies. Donc vous voyez, c'est une question immense pour l'avenir des générations qui vont nous suivre. Então, isso é um problema imenso com relação às gerações que virão a seguir. Então, vous pouvez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'altruisme? E vocês vão perguntar, mas o que, que isso tem a ver com o altruísmo? Mais rappelez-vous la parole de Groucho Marx. Vocês se lembram da fala do Groucho Marx? La question de l'environnement, elle est complexe. A questão do ambiente é complexa? Politiquement, scientifiquement, économiquement. Politicamente, cientificamente, economicamente? Mais ce n'est qu'un problème que si on a de l'intérêt pour les générations futures. Mas isso só é um problema se tivermos algum interesse pelas gerações futuras. Dans 100 ans, la totalité d'entre nous ne seront pas là, sauf s'il y a quelqu'un qui a 15 ans et qui devient la personne la plus âgée du monde. Em 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui, a não ser que tenha alguém aqui com 15 anos e se torne a pessoa mais idosa do mundo. Donc en dépit de la complexité de la question de l'environnement, c'est une question d'altruisme face à l'égoïsme. Então, apesar da complexidade, a questão do ambiente é uma questão de altruísmo em relação ao egoísmo. Alors, quand j'ai travaillé sur ce livre et même déjà avant, j'ai travaillé pendant 5 ans, beaucoup de recherches et j'ai eu la grande fortune de rencontrer la plupart des scientifiques, des économistes, des environnementalistes dont je parle dans le livre. E eu trabalhei 5 anos sobre esse livro, eu já pesquisava isso antes de fazê-lo, eu tive a oportunidade de encontrar vários cientistas e ambientalistas. E o que aparece claramente é que é muito difícil de trouver um langage commun, por exemplo, entre os economistes e as pessoas que se ocupam dos cientistas do environnement. Então, o que apareceu com muita clareza é que é difícil encontrar uma linguagem que seja semelhante entre os economistas e os especialistas no ambiente. Alors, bien sûr, il y a quelques économistes qui sont spécialistes de la question de l'environnement. Há algumas economias que se especializam em questões do ambiente. Lord Nicholas Stern, un grand économiste anglais, a fait un rapport qui montre que le coût des catastrophes environnementales en 2030 seront 20 fois plus élevés que ce qu'il faudrait dépenser maintenant pour empêcher ça. Un grand économiste anglais, quel est le nom de l'économiste? Nicholas Stern.
Nicholas Stern demonstrou que em 30 anos o custo de consertar os estragos atuais é 20 vezes mais caro do que cuidando agora. Il y a d'autres économistes, comme pas loin d'ici, au Chili, Manfred Max Neff, qui s'occupe beaucoup de l'économie de l'environnement. Há também no Chile Manfred Maxner, que se cuida bastante, que estuda bastante a questão ambiental. Mais en général, les économistes s'occupent du court terme. Mas em geral, os economistas só trabalham a curto termo. Ceux qui s'occupent de la vie sociale, des inégalités, du bien-être, du bonheur national brut, s'occupent du moyen terme. Aqueles que cuidam do bem social, da felicidade nacional bruta, trabalham em meio termo. Les scientifiques de l'environnement, et j'en connais beaucoup, s'occupent de ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans, etc. Os especialistas, os cientistas do ambiente, se ocupam de algo que vai acontecer daqui 50 ou 100 anos. Donc vous les mettez ensemble, c'est un dialogue de sourds. Vocês colocam eles juntos, é um diálogo entre surdos. Eh oui, ceux qui parlent à 5 ans, si on leur dit qu'il faut faire telle chose économiquement parce que quelque chose passera dans 60 ans, les économistes ils disent ben moi ce qui m'intéresse c'est le bilan de la fin du mois ou de la fin de l'année. Si você fala, por exemplo, em termos de 50 ou 100 anos para um economista, ele fala não, o que me interessa é o balanço no final desse ano ou no máximo daqui 5 anos. Donc comment faire pour œuvrer ensemble pour un monde meilleur ou pour moins de souffrance? Então, como fazer para trabalhar em conjunto para um mundo melhor, onde haja menos sofrimento? Alors, réfléchissez bien. Est-ce qu'il y a un concept qui peut permettre de donner une base de discussion commune? Então, vamos refletir bem. Será que há um conceito que pode oferecer uma base de discussão comum? Alors, au fil de toutes ces rencontres, de toutes ces discussions, il m'est apparu, pas seulement à moi, bien sûr, si c'était que moi, ça ne servira à rien, à beaucoup de ces penseurs, que le seul concept, c'est effectivement l'altruisme. E para mim, o que apareceu é que, para muitos desses pensadores, o conceito básico seria o altruísmo. Donc, pourquoi ce n'est pas simplement une sorte d'idéal utopique? Então, por que não é simplesmente uma espécie de ideal utópico? Ou une sorte de luxe qu'on peut se permettre quand tout va bien? Ou uma espécie de luxo que podemos nos permitir quando tudo vai bem? Ou quelque chose qui irait complètement à l'encontre de la nature humaine, qui serait totalement égoïste? Ou algo que seria totalmente contrário à natureza humana, que seria totalmente egoísta? Mais si on y réfléchit bien, c'est en fait le concept le plus pragmatique. Et le seul qui permet d'avoir une sorte de fil conducteur pour mettre ensemble le court terme, le moyen terme et le long terme. Mas se nós refletirmos bem, esse é o único fio condutor que pode juntar o trabalho a curto, a médio e a longo prazo. Pourquoi? Parce que si vous avez, donc l'altruisme c'est quoi? C'est davantage de considération pour le sort d'autrui. Por quê? Porque o altruísmo é uma maior consideração em relação à sorte do outro. Donc, si vous avez davantage de considération pour le sort d'autrui, vous n'allez pas avoir une économie dans laquelle la société est au service de l'économie, au lieu que l'économie soit au service de la société. Então, se você tiver consideração pela sorte do outro, você vai ter uma sociedade onde a economia trabalha para a sociedade e não a sociedade para a economia. Si vous avez de la considération pour autrui, vous n'allez pas comme jouer au casino avec les économies de personnes qui vous ont confié leurs ressources pour avoir un meilleur bonus à la fin de l'année. Por exemplo, você não vai brincar como se estivesse num cassino com a economia daquelas pessoas que confiaram em você as economias delas. Vous allez agir de manière responsable, c'est ce qu'on appelle en anglais une caring economics. Você vai agir de uma maneira responsável, que é o que nós chamamos em inglês caring economics. C'est-à-dire une économie dans laquelle on est concerné par le sort des autres. Quer dizer, uma economia na qual nós estamos preocupados com a sorte, com o destino dos outros. Vous savez sans doute que la définition de l'homo economicus, c'est la maximisation des préférences et des intérêts personnels
Ponto final. Vocês devem saber bem que o Homo Economicus é a maximização do bem pessoal e ponto final. Il y a deux choses que cela ne peut jamais accomplir. Há duas coisas que isso nunca pode realizar. Número 1, maximizar os interesses personnels não peuvent pas remédier à la pauvreté, à la précarité au sein de la richesse. Número 1, maximizar os bens pessoais não vai ajudar a diminuir a pobreza e o sofrimento. Or, les inégalités sont un des défis majeurs dans le monde. Ils ont augmenté dans tous les pays de l'OCDE depuis 30 ans. As inegalidades são um dos maiores desafios no mundo e ela aumentou em todos os países da OCDE. Et même au Forum économique de Davos, qui est pas a priori le summum de l'altruisme, depuis 2 ans, c'est considéré comme une des préoccupations principales, c'est les inégalités dans le monde. Le Forum de Davos, c'est quoi que vous Forum économique mondial. Oui. Bon, qui est a priori pour l'économie et pas pour l'altruisme, a priori, ils ont déclaré depuis 2 ans que les inégalités dans le monde étaient un des problèmes majeurs auxquels on devait faire face. Até o Fórum Econômico de Davos, que não se preocupa com o altruísmo e sim com a economia, declarou que as inigualdades são um dos principais problemas atuais. Il y a une deuxième chose que une économie égoïste ne peut pas gérer. E a segunda coisa que a economia egoísta não pode gerir c'est la question des biens communs. É a questão do bem comum. À savoir la qualité de l'air, la qualité des océans, la biodiversité, la liberté. A qualidade do ar, a qualidade dos oceanos, a biodiversidade, a liberdade. Ceux qui luttent pour la démocratie, eh bien, ils font ça pas seulement pour maximiser leur intérêt personnel, mais pour le bien de tous. Aqueles que lutam pela democracia não o fazem pelo bem pessoal, mas pelo bem da maioria. Si on a un comportement purement maximisé intérêt personnel, vous allez agir en profiteur, vous ne faites rien et vous profitez des activités des autres. Se você pensa só no bem pessoal, você vai usufruir dos lucros pessoais e não pensa no bem dos outros. Donc pour le court terme, seule une économie du care peut résoudre ça. Então, em curto tempo, como que uma economia do coração pode resolver isso? Não, maintenant, pour le moyen terme, la qualité de vie, si on a davantage de considération pour autrui, on va faire en sorte que dans la société, au lieu du travail, dans les transports, dans la vie sociale, on favorise la satisfaction de vie. Então, se pensarmos dessa maneira, em meio, médio prazo, nós vamos pensar na satisfação e no bem-estar de todos e da maioria. E se vous avez de la considération pour autrui, vous n'allez pas évidemment sacrifier le sort des générations à venir. E se você tiver consideração pelos outros, evidentemente você não vai penalizar o destino das próximas gerações. Parce que ces générations, elles diront, vous saviez et pourtant vous n'avez rien fait. Porque essas gerações vão dizer, vocês sabiam e não fizeram nada. Donc juste avant de faire une pause, je voudrais juste conclure cette considération générale sur l'urgence de ces défis et sur la nécessité d'appliquer le concept de l'altruisme. Então, antes de fazer essa pausa, eu gostaria de fechar com as considerações sobre os outros e o destino da humanidade. Alors, comme je vous le disais, les choses peuvent ne pas paraître urgentes. J'ai une amie qui fait de l'environnement qui dit que si le CO2 était rose et que le ciel devenait plus rose tous les jours, on s'inquiéterait davantage. Então, eu tenho uma amiga que dizia que se o gás carbônico fosse cor-de-rosa e o céu ficasse cada vez mais cor-de-rosa, com certeza nós nos preocuparíamos mais. Donc là, ici, je suis au Bhoutan devant un glacier. Il y a 2000 glaciers qui fondent dans l'Himalaya. Então, aí eu estou no Bhoutan, diante de uma geleira, e há 2000 geleiras que estão se derretendo no Himalaya. Mais cette grande accélération, elle se produit dans tous les domaines. Mas essa grande aceleração se produz em todos os campos. Vous voyez, en 1950, ça commence à croître de manière exponentielle. Ici, c'est la concentration de CO2. Vocês podem ver que a concentração de gás carbônico cresceu com muita força a partir de 1950. Pareil pour la consommation d'eau douce. Então, a mesma coisa com o consumo de água doce.
Pour la perte des forêts tropicales. A perda das florestas tropicais. Vous avez cette question évidemment ici très urgente au Brésil avec l'Amazônia. Vocês têm isso muito urgente aqui no Brasil com o Amazonas. L'exploitation des pêches, 90% des poissons ont disparu des océans en un siècle. A exploração dos peixes, 90% dos peixes desapareceram no oceano. La perte de la biodiversité, j'ai mentionné, c'est 30% de perte en 2050 si ça continue comme ça. A perda da biodiversidade, eu já mencionei isso. Et puis ça c'est la concentration en méthane. E aí está a concentração do metano. Alors ça peut vous paraître, pourquoi le méthane? Então vocês devem se perguntar, mas por que o metano? Le méthane est 20 fois plus actif pour faire le gaz à effet de serre. O metano é 20 vezes mais ativo para fazer o efeito de serra? Ah, efeito de estufa. 20 fois plus que le CO2. 20 vezes mais forte do que o gás carbônico com relação ao efeito estufa. Alors le méthane va sortir en grande quantité quand le permafrost va fondre. O metano vai sair. C'est le sol qui est gelé en Sibérie et tout ça. Ça va libérer d'immenses quantités de méthane. Então quando há esse dégelo, libera uma enorme quantidade de metano. Mais aujourd'hui, la principale source de méthane, c'est l'élevage industriel. Mas atualmente a principal fonte de metano é a criação industrial. Les bovidés, les porcs, tout ça, ça produit une énorme quantité de méthane. Os bovinos, os porcos, tudo isso produz uma enorme quantidade de metano. C'est dû à une augmentation colossale de la consommation de viande dans les pays développés. É devido a um aumento colossal do consumo de carne nos países desenvolvidos. Pour vous donner une idée, vous voyez ici, la consommation de viande en Amérique du Nord est de 120 kg par an par habitant. Então aqui vocês podem ver o consumo de carne nos Estados Unidos é de 120 quilos por ano. En Inde, c'est 3 kilos. En Afrique, en moyenne, 5 à 10 kilos. Na Índia, 3 quilos. E na África, em média, de 5 a 10 quilos. À tel point que la chaîne qui va de la production de céréales, le déboisement, le transport, le méthane, tout ce qui est lié à l'industrie de la viande, est la deuxième cause de gaz à effet de serre après les habitations et avant les transports. Então toda essa cadeia de produção da carne, ça représente 15% des émissions de gaz à effet de serre. Que representa 15% da emissão de metano para efeito estufa. Après les habitations, toutes les maisons, les usines, etc. Et avant les transports, les voitures, les avions, les bateaux. Depois das habitações, as usinas, e antes dos transportes, os aviões, os barcos. Bon, ça veut dire que, en fait, si vous voulez, il y a énormément de choses qui exigent que nous changions nos comportements vers davantage de coopération et surtout davantage de considération pour autrui. Há então um número enorme de coisas que nos mostram que devemos mudar o nosso comportamento com mais consideração pelos outros. Alors la vraie question c'est OK, admettons et je vais en parler encore plus tard que l'altruisme existe. Então a verdadeira questão é nós devemos admitir que o altruísmo existe? Et vous pouvez dire oui, mais ça change pas grand-chose, le monde est ce qu'il est. Vocês vão dizer: "Ah, mas isso não muda muito, o mundo é o que é." Même s'il existe, les défis sont visibles et nombreux. Mesmo que ele exista, os desafios são visíveis e numerosos. Donc, à moins que nous puissions augmenter la présence de cet altruisme, peut-être ça ne suffira pas. Então, a menos que nós possamos aumentar a presença desse altruísmo, não será suficiente. Donc après une petite pause de 10-15 minutes que nous allons faire pour nous dégourdir les jambes. Então, após uma pequena pausa que vamos fazer de uns 10 ou 15 minutos para esticar um pouco as pernas. Je voudrais revenir plus en détail sur démontrer que effectivement l'altruisme véritable existe. Então nós vamos mostrar com mais detalhes que o verdadeiro altruísmo existe. Ensuite, qu'on peut le cultiver ou l'augmenter sur le niveau individuel. Em seguida, que nós podemos cultivá-lo e aumentá-lo no nível individual.
Et que par le phénomène de l'évolution des cultures, e através do fenômeno da evolução das culturas, on peut trouver un point d'articulation pour que l'altruisme individuel se reflète dans un changement des cultures et des institutions. Podemos encontrar um ponto onde esse altruísmo individual se reflita na mudança das culturas e das nações. Donc je vous propose une petite pause. Então eu proponho a vocês uma pequena pausa. Sinon tout le monde va être épuisé, moi y compris. Senão todo mundo vai ficar desgastado, eu inclusive. Donc peut-être un petit quart d'heure si vous voulez. Uma 15 minutos, por favor.